21, דף קומם בית עמוד א' עמוד בית. דונק שבת, שפיר 21, פאז' 142 א' ב' וקוראי לעילו נשמת בי דוד ניסים בן אישם, רבי דוד בן אסתר, חיה אלכסנדרה, רות אלכסנדרה, אסתר חיה, בת אונה פטריסיה. וכן לפואת ולהצלחת כל חולי עמו ישראל, ולעלם להגיד שירה, אהבה, והרפואה השלמה שתהיית, מסר בסורותו. ילמם, יהודית גאולה. עיישה בת סול, וחיים בן רחמונה, אסתר בת לון. טוב. On reprend un peu de manière à continuer le texte. On a dit Rabbi Uda Omer Abmalin Turma Timea Ima Teora Ken Rabbi Uda dit, quand il y a un mélange de teruma, teora, avec teruma, temea, dans la proportion, la temea, c'est 1 contre 100 de teora. Alors, dans ce cas-là, Rabbi Uda dit, tu peux prendre une CA et tu dis, c'est celle-là, la temea, et tu manges le reste. Toi, Kohen pur, tu manges le reste. Balag Maradi Vamay Hakamitaken. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a réparé ce mélange en prenant, en prélevant, il a permis de manger le reste. C'est-à-dire, donc, il a fait un tikkun. Et Shabbat, c'est Asur le Taken. Alors, il dit. Rabbi Uda Krabi Leizer Sverale. Rabbi Uda, il a la même opinion que Rabbi Leizer. Il partage la même opinion que Rabbi Leizer. De Amar, Rabbi Leizer dit, Truma Beyena Mahta, la Teruma Temea, elle est déposée dans un endroit Beyena, tel que. Et quand il la prélève, c'est celle-là qu'il a prélevée. Ce n'est pas une autre. Donc, il n'est pas métaken. Dites-nous, comment le sait, dites-nous, la Mishnah dit, c'est à terouma, chez Nafla, les pachot, miméa, venid meaou, nafal, menam, douma, les makom, maher, rabbi, les ezer, omer, medamat, ketrouma, baddai, hachami, momrim, enam, douma, medamea, ella, lifihishba. Dit comme ça, la Mishnah dit si c'est à Teruma, une CA de Teruma, chez Nafla, il faut supposer qu'elle est. Elle se renversée ou est tombée. Elle est Temea. Elle est Temea. C'est à Teruma, Temea. Chez Nafla, les Pahot Mimea, qui est tombée. Et c'est mélangé avec moins que 100. Il n'y a pas donc 100. Il dit, béni de merde. Et se sont mélangés. Benafar minam douma le makomaher. Et de ce mélange, il y a eu une CA qui est tombée dans un autre endroit. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit, cette CA,
qui s'est mélangé ailleurs, qui est tombé ailleurs, c'est la CA qui est TMA. C'est elle-même la CA TMA. Bah, les Hachmim ont dit non. Il y a un mélange, et le fait qu'il y a un mélange, cette CA qui est tombée, elle est constituée de quoi? Peut-être une partie de Choulin. La CA plus le Choulin. Bah, Choulin, c'est peut-être Choulin ou Teruma Teora. Choulin ou Teruma Teora. Ça va? Ils disent, les Hachamim, quand de ce mélange il y a eu une partie qui est tombée dans un autre mélange, ce mélange il est constitué par la TMA et par la Théora ou par la Houlin. Et donc il faut aller chercher le pourcentage. Il garde son pourcentage, son ratio de mélange. Le ratio. Il le garde. Et alors, ça nous permet. Ça change tout. D'évaluer non pas par CA. Il faut aller chercher ça. La portion du CA. À la portion de ce qu'il y a. Oui. Dans la TMA, c'est la proportion qu'elle a donnée à cette terouma. Ça va? Parfait. Donc, c'est comme Rabbi Eliezer. Alors, la Gemara n'accepte pas. Ce n'est pas comme Rabbi Eliezer. Il dit, « Emour de Amar, de Shamat, les Humra. » Les Kulam, « Shamat, les » Il dit, tu as entendu Rabbi Eliezer, les Humra, c'est-à-dire que si cette CA qui est tombée du mélange, nouveau mélange, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? C'est la CA qui est tombée dans le premier mélange, qui est retombée dans le deuxième. Donc c'est une Humra. C'est toute une CA. C'est les Humra. Mais même comme ça, est-ce que tu as entendu Rabbi Eliezer dire que tu peux arranger, tu peux prélever, tu peux être metaken pour pouvoir manger le reste? Est-ce que tu l'as entendu dire ça? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit cela, donc ce n'est pas Rabbi Eliezer. Il a parlé juste de premier. C'est A qui rentre dans le sang. Mais tu n'as jamais entendu dire à Rabbi Eliezer que tu peux le prélever le Shabbat et manger le reste. Non, on n'a pas ça dans la Mishnah. C'est ça les coulas. Si c'est par Rabbi Eliezer, donc il faut chercher. C'est qui l'auteur? Quel est l'auteur qui permet pas à Rabbi Yehuda? À elle, là. Ah. Oui, j'écoute. Non. Et là, je suis obligé de dire que Rabbi Shimon, ou de Amar que Rabbi Shimon. Rabbi Houda, il est comme Rabbi Shimon. Et on va voir comment il est comme Rabbi Shimon. Dites-nous. C'est Ateruma Shenafla Lemea. C'est le premier cas. Ça va? Velo explique les Agbia. Et il n'a pas eu le temps d'enlever la CA qui est tombée. Pour remettre le sang, le cachériser, disons. Voilà. Le rendre permissible, le sang. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Achenafla Aheret. Achenafla Aheret. Il y a eu une autre CA qui est tombée, Temea. Qu'est-ce qui est arrivé, Rabotai? On va expliquer. Il y a 100 séot qui sont purs ou houlin. C'est à terouma. Jusque-là, qu'est-ce qui se passe?
L'ensemble, je peux le manger ou non? Oui, parce qu'on a dit avec, c'est plus que 100. À condition, je peux le manger à condition de... De prélever une CA, et les 100 qui restent, c'est correct. Ça va. Bon, maintenant, je n'ai pas prélevé la CA. Tout le mélange maintenant, comment il est présent? À présomption, il est questionable. Il est, on dirait qu'il n'est il est pas permissible. Tant que je n'ai pas prélevé, tant que je n'ai pas sorti la CA. Le mélange est bon. Il s'annule? Il s'annule avec il y a un batel bechichim là-dedans, on peut dire? Batel bemea ve'echad. Batel bemea ve'echad. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas prélevé. Cette CA teméa qui est tombée dans le sang. Elle s'annule. Et teméa. Elle s'est annulée. Elle est redevenue. Théora. Théora. Il y a maintenant une autre qui tombe. Teméa. On devient Théora. On ne parle pas de CA teméa, on parle de Trouma qui est tombé. Un CA de Trouma qui est tombé. CA de Trouma. Ce n'est pas un CA teméa. Elle est apte de prendre une tourma. Ou bien c'est à terouma teméa dans 100 théorot, ou bien c'est à terouma dans 100 houlin. Albert. Oui. Le mélange est le suivant. Tu as une c'est à terouma qui est pure, mais oui. Elle est tombée dans 100 houlin. Voilà. Et les houlines sont pures aussi. Mm-hmm. Alors le mélange est bon. Mais on a dit, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il fallait enlever une CA pour rendre le reste permissible. Shabbat, pour pouvoir manger, normalement, tu enlèves et tu dis c'est celle-là, la téméa. Mais quand on vient à considérer l'ensemble, qu'est-ce qu'il est? Il est médouma. Qu'est-ce que ça veut dire médouma? C'est comme tout fluide. Comme tout fluide. Quand tu as 100 litres d'eau et un litre de limonade rouge, le mélange, est-ce que tu vas constater qu'il y a du rouge dans l'ensemble? C'est Matelotto, il annule. Il l'annule. Il a dilué. Ça va? Bon, maintenant, on remplace cela. Une CA de terouma ou une CA de terouma teméa. Si elle est teméa, elle est tombée dans 100 terouma teora. Ou bien une teora dans houlin, dans 100 houlin. Et on n'a pas pris. Comme on dit Rabbi Yehuda. Élevé. Pendant qu'on n'a pas prélevé, il y a eu une autre CA qui est tombée. Une autre CA de terouma ou une CA dans le houlin ou une CA de terouma teméa dans le sens CA de terouma teora. Ça veut dire que maintenant tu as un mélange de CA dans 101. Oui. C'est plus que 100. Plus que 100. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça va s'annuler encore une fois? C'est ça la question. Et ça, alors il dit ici Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Harezo Asura. Ça c'est ouais. Tanakama. Tanakama, il dit, c'est Tsea qui est tombée. Elle est Asura. Et Rabbi Shimon m'attire. C'est ça la loi. Rabbi Shimon, il est m'attire. Il dit, voilà, elle est retombée dans quoi? Dans 100 qui est pur. Dans 101 qui est pur. Voilà. Pourquoi les Hakamim disent non à Zohasura? Comprenons.
Parce que dans 101, il n'y a plus 100 parties pures contre la Torah, contre la Teruma. Ce 1 qui est tombé, dans chaque Séa, il y a un centième de cet Teruma qui est tombé. Otpam. Ouais. Non, on comprend les maths. Le sac, il a 100 séot. Garoline. Est tombé une CA. C'est mélangé. Et avant de la prendre, pour dire voilà, maintenant j'ai 100 séot qui sont purs, il y a une CA, une deuxième CA qui est tombée de Teruma. Les Hakamim te disent, cette CA, tu ne peux pas prélever une CA et dire, voilà, c'est celle-là qui est tombée. Pourquoi? Parce que... Ils gardent le ratio. Comme le ratio est moins que ce qu'il faut pour permettre le mélange. Parce que ça devient 100, et les 100 séot, il y a un centième de cette CA qui était Teruma. La deuxième CA qui est tombée, c'est Teruma? C'est une Teruma aussi? Oui. Comme alors maintenant, il y a deux CA Teruma sur 100 Khulin. Voilà. Ah. Donc, la première, elle a été annulée. Mais cette deuxième qui est tombée, il n'y a pas assez pour les Hakamim, pour Tanakama, pour l'annuler. Barabbi Shimon, il te dit, cette CA, quand elle était annulée, donc ça devient tout permis. Ma vie, Rishon. Ça va, là? La logique, oui, parfaitement. Oui, mais ça veut dire une deuxième, une troisième, quatrième CA, cinquième CA. Mais ah, ça veut dire à chaque fois ils vont s'annuler. Après Rabbi Shimon, ça a l'air que oui. À un moment donné, ça va être mais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu prends Nafla CA et tu prends une CA, en ce moment, tu n'as pas du tout de problème. Parce que ce qui reste, c'est ce qui reste sans pur. Mais lorsque, avant de prélever, il y a une deuxième CA qui tombe, les Hakamim lui disent non, tu ne peux pas dire que le mélange a purifié cette CA qui est tombée. La proportion n'est pas bonne. Elle est à Sura. Est-ce que ça va? C'est l'imagination de Hachamim qui et la logique. Oumimai. La Gemara, tu dis que c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, du fait que la première était nulle, donc la deuxième, quand elle est tombée dans un mélange de pur. Oh. Et ça s'annule. La Gemara dit, Mimai, d'où tu as ça? Dilma hatam, be'akami falge. Peut-être que la mahloket de Tana Kama et Rabbi Shimon, c'est cela. De Tana Kama Sabar, Fagab de Naflou, Bézé Harzé, Keman de Nafal be Batafat. Ça, c'est la logique de Tana Kama. Même que l'hypothèse du problème, c'est quoi? Il n'a pas eu le temps de prélever celle qui est tombée, qu'une deuxième est tombée.
Donc, c'est tombé zé achar zé, l'une après l'autre. Bien. Pourtant, Nakama, il dit comme s'ils étaient tombés. Et il n'y a pas deux sangs pour annuler les deux qui sont tombés. Logique. Ça va, c'est une bonne logique. Si j'aurais enlevé le, j'aurais enlevé une CA de ce mélange. Et après la deuxième, elle tombe. Eh bien, ce qui est resté là-bas, c'est sang pur. Et bien, alors, et après, j'enlève une autre et je fais ça, je continue à faire ça, je purge toute la place. Alors, je continue, deux, trois, quatre. Tu es toujours correct. Ouais. Ça, c'est un akama, sabar. Agav de naflou bezeh harze. Même que les deux séot sont tombés l'une après l'autre, keman de nafal bebatahad dami. Et c'est considéré comme si elles étaient tombées ensemble. Ensemble. C'est ça. Alors, si elles sont tombées ensemble, ça veut dire qu'une s'est mélangée à 50 et l'autre s'est mélangée à 50. Oui, ok, c'est une façon. Il y a 50 et 50. Il n'y a pas eu de quoi. De quoi l'annuler. Ça, c'est l'optique de Chachamim, on dirait. C'est un Nakama. C'est pas l'optique de Rabbi Shimon. Ce n'est pas l'optique de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit savoir comment était bâtir Bemel. La première. Varit Batla. C'est fini. Elle n'est plus une séance Tehora ou Teruma ou Temel. Vehatim tir Bemel. Vehat. Et la deuxième, elle va s'annuler dans 101. Et c'est pour cela que c'est. C'est bâtel et c'est correct. C'est correct, c'est permis. Vous devez choisir entre deux. Moi, j'aime Rabbi Shimon dans ce cas-là. Et tu es comme ton beau-père. Ah, il a l'air la top. Il aimait Rabbi Shimon avec sa logique. C'est très bien comme ça. Mais tout de même, est-ce que Rabbi Shimon il permet de prélever si c'était Shabbat? Non, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. C'est Rabbi Yehuda, donc tu n'as pas apporté une preuve. Comme quoi Rabbi Yehuda il te dit, tu peux prélever. Donc, ça ne marche pas, Rabbi Shimon. Ça va? Bien. Et là, où est la marque Rabbi Shimon ben Elazar? Rabbi Yehuda, il est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pas comme Rabbi Shimon ben Yochai. Détania, la Braïta dit, on va aller à notre forme. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, noten enav betzadze, ve ochel mitzadze. Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, je ne t'ai pas dit de prélever
la terouma, la sea qui vient de tomber, Shabbat. Mais tu n'as qu'à considérer le mélange et dire tout ce qui est au nord, il y a là-bas la sea qui vient de tomber. Et après Shabbat, je vais l'enlever. Parti. Ça va? Oui. Zéro noten enav, betsadze. Il prend le mélange. Il dit, voilà, cette partie, c'est la partie qui contient la CA interdite. Comme c'est Shabbat, je ne vais pas le prélever. Mais je le laisse pour après Shabbat, dans cette partie. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la partie qui est devant lui. La partie est devant lui, il peut la manger. Il peut manger Shabbat de cette partie. Zéounoten Aynav, Betsadze. Il décide que la terouma se trouve dans ce côté. Et il mange de l'autre côté. C'est comme ça également qu'il faut faire. Parce que des fois, on m'appelle, on me dit Shabbat. J'ai oublié de prélever la challah. Si ça avait été vendredi, alors je leur dis, bah, prenez toutes les halotes, couvrez-les et faites la bracha et retirez un morceau d'une challah que vous allez appeler terouma. Ah ben, ils n'ont pas fait cela pendant le hol. C'est Shabbat, ils n'ont que cette challah à manger. Ils prennent une challah et ils disent, dans cette challah, il y a la challah. La challah, il y a la terouma. C'est ça la terouma. C'est ça qu'on appelle terouma. Tarimu. Ça va? Okay. Alors, et il la laisse sans manger jusqu'au hol. Et alors, il prend ce bout qu'il a laissé dans ce pain, qu'il a appelé dans son imagination, dans sa tête, dans sa mahashaba, qu'il a appelé terouma, et il la brûle. Il l'a imaginé, il prend la challah, il l'a imaginé, c'est le côté, ce côté-là, c'est la terouma dans sa tête. Il ne va pas le couper pour le sortir, parce que dans voilà. Ce cas, il est metaken, l'autre côté, on essaie d'éviter ça. Voilà. Il fait son moti normal, mais il mange de l'autre côté. Voilà. Après, il va l'égarer. Un moti shabbat. Absolument. C'est ce que dit Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, quand il y a un mélange comme ça, de CA, terouma qui est tombé dans son houlin, il ne peut pas prélever Shabbat, parce que s'il prélève, c'est Metaken. Bah, Rabbi Oda, il te dit, mais je ne t'ai pas dit de prélever, mais je t'ai dit d'imaginer que dans un côté, il y a la CA de terouma que tu vas prélever pendant le hol et tu manges de l'autre côté, comme ce que dit Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, c'est bon. Oui. Bah, la Gemara, il dit... Mais qui t'a dit que Rabbi Ouda il est sauvé comme Rabbi Shimon ben Elazar? Qui t'a dit que Rabbi Ouda? Moi, je vais te prouver que Rabbi Ouda il est contre Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, c'est ça la question. Est-ce que Rabbi Ouda il a été sauvé comme Rabbi Shimon ben Elazar? On passe à Amoud Bet, Béa.
וה מפלג פליג ילווה רבי יהודה לחולק רבי שמעון בן אלעזר. Comment je le sais de Tanya? La Braïta dit, Rabbi Yehuda Omer, Ma'alin et Amdouma, Bechad ou Me'a. Rabbi Yehuda il dit, Ma'alin et Amdouma. Ma'alin, c'est-à-dire qu'on peut être matriche. On prélève, Ma'alin. Rabbi Shuma ben Azar men noten ena bitzadze. ואוכל מצד אחר. ואוכל מצד אחר. Ils sont pas d'accord. Donc ils sont pas d'accord. Va la Gemara dit non, de Rabbi Yehuda Adifa mid Rabbi Shmuel ben Elazar. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda il est mekil plus que Rabbi Shmuel ben Elazar. Rabbi Shmuel ben Elazar te dit laisse la. La CA là où elle est, tu vas l'arranger pendant le hol. Rabbi Yehuda te dit non, là à l'autre, tu prélèves pendant Shabbat. Et donc il est plus, Rabbi Yehuda, il est plus mekil que Rabbi Shimon ben Elazar. C'est-à-dire il marche dans sa svara. Mais Rabbi Yehuda m'écrit plus que Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi c'est m'écrit Rabbeinu? Puisque Rabbi Shimon ben Elazar, avec la marchava simplement, sans l'action, il va permettre. Parce qu'il est interdit de prélever. Ah, il est interdit de prélever avec les mains. Parce que c'est m'taken. Donc il est interdit de prélever avec les mains. Sauf que Rabbi Yehuda, il permet marchava et les mains. Rabbi Yehuda, il permet les mains. Prélève. Et donc c'est plus calme que de marchava. Je suis plus hamour. C'est plus hamour. Azma Marno, on a dit de Rabbi Yehuda Adifa, on préfère Rabbi Yehuda parce qu'il est mekil. Alors le fait qu'il est prélevé, d'être mezaken. Ah, il va être mataken, quelque chose que les autres ils interdisent. Et lui, il le permet. Alors, c'est kula. Rabbi Yehuda est mekil. Mais il est mekil, Verbodarav. Il est mekil parce qu'il considère qu'elle est séparée, en fait. Le jour du Shabbat, il considère que. Il est Mikil parce qu'il permet qu'elle est, d'être qu'elle est séparée, qu'elle est identifiable. Comment? Identifiable. Elle est identifiable. Oui. Le terme, c'est Mechita. Mechita. Non. Be'ena Marta. Marta, Marta. Elle est déposée telle que. Voilà, mais c'est ça. Donc elle essaie de, pour lui. Comme Rabbi Eliezer. Voilà. On est obligé d'ajouter cela. Rabbeinu, juste une constatation. Le mot Medouma, ça vient du mot Medoumé. Évrite comme ça domélé. Parce qu'il va prendre le medouma qui est douma, mais là sont des larmes. Ok. Dima. Medouma, c'est-à-dire le mélange se dans le fluide. Tu ne reconnais plus les Ah, Evanti. Ah, ok. J'essaie d'imaginer, Rabbeinu, une CA. Une CA, c'est à peu près 14 litres. 14 litres.
n'est-ce pas, 14-15 litres à peu près, une CA, je viens de vérifier. Donc, un 14 litres qui rentre dans 1400 litres de trauma, ça va se mélanger quand il est mévatel. Oui, oui. Ouais, donc, dans l'imagination, si une trauma, c'est des grains de blé ou c'est quelque chose comme ça, il n'y a pas moyen de l'aller reprendre ce qui a été monar. Ça s'est mélangé, ça s'est mélangé. C'est dans un liquide. Mais ce que tu vas prélever, tu l'appelles, c'est ce qui est tombé, soit de teruma teméa, soit de teruma d'encholi. Mais ces terumas-là, ça peut être des fruits, ça peut être des raisins, ça peut être oui. Du liquide aussi, ça peut être du vin. Aussi. C'est une grosse quantité, le MEA-CA. Mais CA, c'est 144 œufs. Œufs, voilà. Et un œuf, c'est 50 grammes. 57. Oui. Bah, je prends, ah, ok. Je prends la moyenne, 50. 140. Ah, alors non, alors c'est 7 litres à peu près. Voilà. Non, Michila, j'ai regardé. Chazon Ish, pour lui, l'œuf, c'est 99 millilitres. Et j'ai regardé rapidement, sans calcul, c'est 14 litres la CA. L'œuf, c'est combien? Chazon Ish, il dit 99,5. Oui, millilitres. Oui, le Chazon Ish, il a un grand chiaour. Oui, je regardais rapidement, mais en chiaour du Chazon Ish. Le chiaour du Chazon Ish, par exemple, pour Rebeit Yayin, c'est pas 86 millilitres. C'est à peu près 125 millilitres, un quart de litre. Ah. 125 millilitres. Bien. OK. OK. Donc 50 grammes, ça serait 700 litres. 100 CA, à peu près 144 bétim CA. 12 douzaines. Donc 144 fois 50 grammes, on arrive à peu près 7 litres ou 7 kilos, si on veut. Alors, fois 7 kilos fois 100, ça veut dire 700. 8 kilos. 8 kilos, c'est 800. CA, si chaque cabine, on a pris, je pense, avec le rabbin, oui. C'est 6 cabines. Pascal Goudot, une EFA. Oui, j'ai déjà écrit. Prenez cela. EFA est égal à 3 CA. Une CA est égale à 6 cabines. Un câble est égal à Login. Log est égal à 6 œufs. Alors, 6 fois 4, ça fait combien? 24. Okay. Multiplié par 6. 144 bétim. La CA. Ascal Goudot. Oui. FA, c'est un câble log. 3, 3, 6, 4, 6, le Goudot. Le compte est bon. Le compte est bon. Et donc. Ah, ben, il y a des absents. Eric, il n'est pas là. Eric, Mathias n'est pas là. Et comment il s'appelle notre ami? Mordechai n'est pas là. Mordechai, ouais, ils sont dans la Shiva. Ça va. Ouais.
Hier, je voulais travailler. Baruch Adonai le Olam. Amen. Amen.